ce tournoi cette année. Je veux dire que j'ai pris quelques heures de plaisir cet après-midi et j'aurai bien sûr à la fin de mes propos à te remercier, toi et bien sûr pour toute l'équipe que tu as dit aussi bien tout au long de l'année. Mais j'ai aussi d'autres excuses à présenter car tout au long de l'après-midi, il y a eu plein de monde à se présenter. Ils m'ont dit si ça a lieu après 18h30, je ne serai pas là. Ils vont dire que je suis passé et que je félicite les organisateurs. C'est le cas d'Antoine Gourleur, le conseiller général. Il m'a dit qu'il avait laissé une coupe, mais je ne sais pas si elle sera là. J'ai vu le vice-président de la communauté de communes des Pays d'Oise qui est parti aussi, car il y avait de la concurrence dans le secteur aujourd'hui. Il y a tout le Finistère à la voile et une arrivée qui s'est faite il y a quelques minutes dans la rivière de la Vérédune et de l'Empol-Ploarzen. Et puis il y avait, si vous le savez aussi sans doute, sur les dunes de Force-Moderne, ce qui explique l'absence ce soir de Pierre Villernot, notre adjoint chargé des sports, qui en ce moment même doit remettre les coupes du sandball sur la plage de la colonie. Et donc on ne peut pas se diviser trop pour être avec vous ce soir. Donc un seul petit mot, Alain, continue mais va doucement. Parce que cette dernière fois, vous a rajouté des sièges qui étaient totalement pleins. Je sens que nous allons faire l'objet d'une demande importante à la municipalité pour l'année prochaine, si l'on veut encore rajouter quelques gradins. Alors sache que l'équipe municipale, je suis là avec Pierre Meyer et Marie-Moise, est avec moi tout l'après-midi. Et puis aussi, Marie-Claude Pavot, je ne sais pas si elle est partie, mais la moitié du conseil municipal était là pour te soutenir cet après-midi. Continue comme ça. Un grand merci, un grand bravo à toi, à ton épouse qui te supporte, parce que je sais que c'est pas facile, je sais pas où elle est.